Coucou à toutes. Alors aujourd'hui, je vous reviens comme indiqué dans le titre pour vous parler de la palette donc Naked 3 de chez Urban Decay que vous connaissez sans doute. Et si ça vous êtes intéressé par cette vidéo, c'est aussi peut-être parce que vous avez déjà vu plein de trucs sur cette palette ou alors que vous attendiez mon avis tout simplement. Ce qui m'étonnerait. Mais bon voilà, donc moi je fais partie des gens qui ont énormément critiqué les palettes Naked et notamment la 3 à laquelle à première vue je ne trouvais absolument aucun intérêt. Alors voilà, comme il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, j'ai changé d'avis et je m'y suis intéressée de plus près et en voyant la revue qu'avait fait Nicole Guerriero, donc la youtubeuse dont je vous ai parlé la semaine dernière, ma youtubeuse préférée en fait. En voyant sa revue il y a quelques temps, je m'étais dit quand même, elle était très très belle et je suis allée la voir et la swatcher moi-même chez Sephora, je sais plus auquel, bref, on s'en fiche complètement. Et donc, effectivement, je l'ai trouvée très très belle. Et voilà, ensuite j'ai eu la chance que ma copine Alison travaille au Sephora et qu'elle me la prenne pour moi. Parce que comme ça, je puis la tester. Bien sûr, elle a été payée, il n'y a aucun souci, c'est pas un cadeau. Enfin, c'est pas un cadeau de la part de Sephora, en tout cas. Voilà, donc je l'ai eue. Moi, ça fait maintenant... ça fait une semaine que je l'ai. Je l'ai utilisée tous les jours depuis une semaine, sauf aujourd'hui, bien sûr, parce que j'ai commencé très tôt ce matin de boulot et que j'avais pas envie de me lancer dans un grand maquillage, parce que j'avais pas du tout le temps. Voilà, donc je vais vous montrer les couleurs. Je vais essayer de swatcher comme je peux sur mon bras qui n'a pas de tatouage pour que vous voyez un peu donc à quoi elle ressemble si vous n'avez pas déjà vu 1000 fois la revue sur des chaînes d'autres filles. Donc déjà, je vais vous montrer comment elle se présente à l'intérieur. Bien sûr, c'est une palette, n'a rien d'extraordinaire. Oh, c'est chiant ce truc. Voilà. Donc vous avez le miroir au-dessus. Puis les couleurs, je crois qu'il y en a 12. Mais je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc pour moi, il y en a dans les tons beige, dans les tons roses et dans les tons marron. Donc voilà, je vais vous swatcher hein, toutes les couleurs en espérant que ça rende quelque chose. Sinon, de toute façon, je vous mettrai la vidéo de Nicole Guerriero. Même si elle est en anglais, je pense que pour faire un swatch de couleurs, c'est pas grave si vous comprenez pas l'anglais en fait. Donc le premier, donc c'est le fard qui s'appelle Strange et c'est donc un fard beige. Très pigmenté, il est pas mal du tout. Moi, je le mets en dessous du sourcil à chaque fois que je me maquille, en fait, parce que je trouve que ça rend bien. Après, c'est quasiment le même que le WOS que j'utilise aussi de la palette Naked Basics. Ça, c'est vraiment un fard beige, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Mais assez pigmenté. Ensuite, il y a le fard Dust. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une sorte de... Oui, c'est un beige irisé. Et que moi, par contre, je l'aime pas ce fard. Déjà, je le trouve trop poudreux. Et en plus, je le trouve parfaitement incolore. Donc, je l'utilise pas. J'ai essayé de l'utiliser pour faire une espèce de touche lumière en coin interne. Et en fait, ça rend rien du tout. Donc, ça, c'est un fard que moi, je n'aime pas. Ensuite, à côté, il y a le fard qui s'appelle Burnout. Viens, José. Pauvre, il pleure. Alors, le Burnout. Ouais, voilà, donc c'est aussi une sorte de marron, enfin c'est un marron clair irisé. Et vous voyez, ça, il est vraiment très 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 lumineux. Moi, c'est un de mes préférés, celui-là, de la palette, parce que je trouve qu'il se voit énormément en fait. Ça a beau être du nude, ça se voit vraiment énormément. C'est très joli, surtout si à côté vous mettez une couleur plus foncée ou un liner plus foncé, je le trouve très très beau. Et à côté, vous avez la même couleur en mat et qui est très bien aussi. Moi, je m'en sers pour faire le contour en fait de l'irisé. Je le fais en mat et je trouve ça très très sympa. Ensuite, après, vous avez le fard Buzz. Ah, ça, celui-là, il s'appelait Limite, celui d'avant. Donc là, le fard Buzz, c'est encore une teinte plus foncée que le Burnout. Donc qui a un peu plus de rose, je dirais. Donc toujours
Toujours un fard bien irisé. Je vous montre pas comment ça fait quand j'étale sur ma peau parce que à chaque fois ça se voit pas avec la luminosité que j'ai moi. Et en plus, ça sert à rien. Enfin, Nicole Guerriero a tellement fait mieux que moi ça que ça c'est pas la peine. Et puis en plus, je trouve que ce qui rend sur la pulpe du doigt, ça rend vraiment ça sur la paupière. Ensuite, on a le fard Trick. Ça, c'est un doré. Donc un doré, mais qui tire vers le marron, je dirais. Que j'aime bien, mais dont je trouve la couleur pas forcément très originale. Ensuite, le fard Nooner. Donc qui est un marron nude. Hein, et que j'aime aussi beaucoup, beaucoup. Je le trouve très joli. Ensuite, le fard Liar. Alors, c'est vrai que montrer comme ça donne vraiment raison aux gens qui, comme moi avant, disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs en fait dans les palettes de Naked. Et c'est vrai que cette couleur-là, qui s'appelle donc Liar, ressemble beaucoup à la Buzz et à la Burnout. Mais en fait, si on regarde dans la palette, donc ça c'est le fard Burnout, le fard Buzz et ensuite le Liar. Pardon, le Liar. On se rend compte quand même que ça va toujours du plus clair au plus foncé en fait. Donc c'est vraiment peut-être une demi-teinte maximum, mais qui fait quand même la différence. Ensuite, il y a un fard qui s'appelle Factory. Donc celui-là est plus foncé, c'est vraiment un marron irisé qui est beau. Sur mon doigt, très joli. Voilà, ensuite il y en a un qui s'appelle Mugshot et c'est le même, pour moi c'est presque la même couleur que celui d'avant, en beaucoup plus irisé en fait. Donc éventuellement vous faire les coins internes. Elle marche beaucoup pour moi hein, qui n'y connais pas grand chose, deux par deux en fait. À chaque fois il y a comme un mat et un irisé, et ben voilà, c'est des couleurs qui vont toujours bien ensemble, soit pour faire un coin interne puis une paupière mobile, soit pour faire une paupière mobile et paupière immobile. Vraiment, moi je trouve qu'elles fonctionnent bien comme ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles sont mises à côté, pas seulement pour le dégradé de couleur qui n'est pas forcément évident, mais aussi parce qu'elles sont complémentaires. Ensuite, à côté, on a un fard qui s'appelle Dark Side. Donc celui-là, c'est un marron foncé irisé qui est très joli aussi, mais que j'ai pas dû encore beaucoup utiliser. On n'a pas le temps de tout utiliser. Et ensuite, le dernier fard, qui est celui dans lequel j'ai eu beaucoup d'espoir et pour lequel je suis un peu déçue, c'est le Black Heart. Donc, ouais, on peut voir d'ici. En fait, il y a des paillettes rouge-rose à l'intérieur d'un fard noir en fait. Et je me suis dit qu'il était vraiment très joli. Et en fait, ben, ça rend rien. Je vais vous montrer ce que ça donne en fait sur ma peau de ma main donc. Donc comme ça, on peut croire que ça fait bien. Mais là déjà, il y en avait beaucoup sur mon doigt, donc voilà. Et ensuite, dès qu'on laisse tomber, il y a plus de reflets, quoi. Il y a plus, on perd toutes les petites paillettes. Donc moi je trouve ça dommage. Alors peut-être qu'il faut le mouiller. Je sais pas, j'essaierai plus tard de faire autrement pour voir s'il y a une meilleure façon de lui donner un bon effet. Parce que là c'est quand même un peu dommage, je trouve. Mais bon après, bon, c'est comme ça. Et puis bon, après tout, c'est aussi un fard noir qui du coup, avec sûrement les mini-reflets qui restent quand même, qui est bien complémentaire des autres couleurs de la palette, quoi. Et donc bien sûr, avec cette palette, vous avez, comme d'habitude dans les palettes comme la Vice ou les Naked, vous avez donc un pinceau. Et celui-là, donc vous avez un pinceau applicateur classique et un plus petit pour faire donc des bananes ou des cut crease. Voilà, donc c'est tout pour la revue sur la palette Naked 3. Je sais pas si elle est à nouveau vraiment disponible parce qu'il y a pendant tout un moment, ça a été dur de la trouver. Je sais pas si elle l'a actuellement. J'espère que oui. En tout cas, si vous êtes plutôt nude, que couleur, elle vous plaira beaucoup. Et si vous êtes plutôt couleur
Nude. Elle vous plaira aussi parce que c'était mon cas. Et vraiment, je la trouve très réussie comme palette. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir demandé à ma copine parce que voilà, elle est vraiment très très bien. Et voilà, donc ça fait une semaine que je ne me maquille qu'avec celle-là. Et sauf aujourd'hui, évidemment. Voilà, je vous embrasse très fort et je vais essayer de faire d'autres vidéos pour profiter de la lumière du jour. Gros bisous.